Salut à tous les amis, c'est le Hantouplay, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle bilidéo, ou la blidéo, j'ai bugué. Une nouvelle vidéo, oui c'est mieux, sur Black and White de oh yeah, ça c'est la classe. Et j'avais déjà autant d'hommes, déjà autant de guerriers, bah ça fait plaisir ça, ça veut dire qu'on va leur foutre une branlée. D'ailleurs ils sont terrés dans leur ville de... Alors j'ai complètement oublié le nom. Et la Rouam. Ok, bah alors on va se fixer ça comme objectif. Écoutez, on va essayer d'aller les virer tout simplement de leur ville. Ah, je suis en train de me rendre compte d'une petite chose qui est sans doute complètement bête, mais qui est quand même utile. Corde de garde. Hop, corde de garde. Pourquoi je peux pas faire un corps de garde? Parce qu'il n'est pas dans ma zone d'influence. Oh. 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 Ah. Oh, 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 tirez-vous, tirez-vous, tirez-vous. Oh, même pas. LOL. Merci. Alors là, je dis bravo. Ah, 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 peut-être, 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 peut-être. En tout cas, je salue quand même hein, les Aztèques pour leur courage. Ils ont tenté, c'est déjà ça, c'est un début. On ne peut pas leur reprocher, hein. Ils ont voulu essayer. Sauf que leur séisme à deux balles, ben, il a juste contourné mes hommes. Ok, j'ai juste eu le cul gros comme ça. Enfin voilà, bref. Tiens, je suis en train de penser, vous voyez, à la mission ici. Alors on m'a gentiment dit dans les commentaires que c'était un homme de 24 ans. Enfin, je sais plus si c'était un homme ou une femme, bref. Un personnage de 21 ans précisément. Et donc pour ça il fallait que je... Que je reste... C'est chaud quand même. Que je laisse la main au-dessus d'un... D'un pécor. Attendez. Je sais pas comment je fais pour avoir les informations. Enfin j'ai oublié si je fais ça. Non. Ah ah, si c'est bon. Mineur. Humeur triste. Ah, il a 39 ans. Il est trop vieux. Il est trop vieux, ce monsieur. Il est trop vieux. Faut que je cherche les ceux qui se baladent genre en mode tranquille, genre avec la tête haute. Genre lui. Voilà lui. Toi, tu as l'air d'être parfait. Et crève la dalle déjà. C'est bon signe ça. 28 ans. Ah, il est un petit peu trop vieux. Un petit peu trop vieux lui. Alors lui, je suppose que c'est le même, je suis sûr que c'est le même. On parie combien que c'est le même? Ah bah il a pris un an, tiens. Le mec il reproducteur. Et il est devenu reproducteur. Bah voilà, voilà. Je lutte contre le chômage. Toi, t'as quel âge? Voyons voir. Ah, il a 18 ans. Au pire, on peut le garder. Ah, attendez, on peut le garder. Ah, c'est chiant ça. Faudrait que je le... forestier. D'accord, il est devenu disciple forestier. Il faut quelqu'un de 21 ans précisément. C'est pas facile à trouver. Toi, t'as quel âge? Ah. J'ai pas vu 18 ans, mais lui aussi, putain. Bon, écoutez, on s'en préoccupera un peu après. On verra plus tard. Qu'est-ce que t'as dit toi? Je vais transformer cet arbre en copeau. Bah écoute, si ça t'amuse. J'ai l'impression que c'est tout le temps la nuit dans ce trou là. Putain là là. Bref. Alors on va essayer de construire un petit peu. Je pensais qu'on pourrait pourquoi pas rajouter quelques petits gratte-ciels. Enfin rajouter. Plutôt construire de nouveaux gratte-ciels. Faire un quartier un petit peu en hauteur. Voilà, là on va contourner cette espèce de moulin. Voilà, alors ici c'est bon comme ça. Ouais, on peut le faire à côté du... Ici là, voilà, à côté du temple. Ça peut le faire, ça, pour voir le temple de haut. voilà, comme ça. Et on va... Ouais, on va construire, on va faire ça. De nouveaux gratte-ciel. On va aller pas les faire trop culminants, histoire que, ouais, voilà, quoi, ce soit pas non plus irréaliste. Parce que je vous rappelle que nous sommes en moins 6600 avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas. En fait, je sais même... En fait, ce jeu n'est même pas daté en soi, c'est assez marrant. Enfin, si, c'est pendant la Grèce antique, mais c'est assez drôle.
J'avais jamais pensé à ça, il est pas... Ouais, il est pas daté, précisément. Hop, on va faire des petits immeubles de cette taille, vous voyez là, ça paye pas de mine, c'est pas trop grand. Allez. Hop, on va agrandir un peu celui-là. On en rajoutera peut-être au fur et à mesure. Mais le problème avec les gratte-ciel, c'est que bah voilà, ça fait du prestige et ça attire toutes les autres villes. C'est un petit peu facile, j'ai envie de dire. C'est limite cheaté en soi. Même si tu fais le mal, tu peux arriver à attirer, à séduire une population ennemie. Enfin, oui, neutre ou ennemie. Bah, grâce à des gratte-ciel, quoi. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que ça semble être un peu plus simple. Putain. On va essayer de rajouter des... Parce que c'est un petit peu sombre. Des petites lanternes, voilà, gentiment. Ah, ici, dans des petits endroits comme ça, surtout sur les... Bah, attendez, là, il y en a. Sur les extrémités, ça pourrait être sympa. Ah, on nous attaque. Que se passe-t-il? On va en mettre une là. Non. Je sais pas ce que j'ai fait. On va essayer d'en foutre là. Ah, la créature a soigné les troupes, c'est pas mal. Alors, je crois qu'on se fait attaquer ici, non, il me semble. Non? Bah alors, c'est où qu'on se fait attaquer? J'ai pas trop compris. Bref, c'est pas un souci. Non, le ciel n'est pas bugué, je vérifie à chaque fois. Et c'est bientôt le lever du jour. Voyons voir si on peut pas accélérer ça un petit peu, là. Parce qu'on voit que dalle. Hey, hey, l'heure du boulot est avancée, les mecs. Vous avez 2 heures de moins pour dormir. Bon, bref. Alors, vous, au lieu de vous... Bah, vous touchez, quoi. Disons ça comme ça. On va faire une première approche devant Ilarwam. Pendant que eux vont s'avancer, on va faire une attaque éclair. On va aller déglinguer les catapultes. Comme ça sera fait, ils auront rien pour y poster. Il restera plus que bon bah quelques bataillons à l'intérieur. Mais au pire, ça c'est pas un problème puisque la créature bah, fera le travail, hein, simplement. Qu'est-ce qu'elle... d'accord. Elle s'énerve contre les murailles. Oui, 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 c'est normal. Est-ce qu'on a beaucoup de mana? Oui, pour être sûr. Allô, du mana. Ok, bon. Mana, mana. Mince, c'est où je vois ça? Normalement, je pouvais... Ah, c'est là. Voilà, 60 000. Ok, je suis à mort. Je suis à mort, je suis au max. Ah, tiens, j'ai oublié d'acheter un miracle. Ah, c'est le miracle du bouclier que j'ai oublié d'acheter. Bon, on va le faire, écoutez. Voilà, comme ça, c'est fait. Bon, on va faire une petite démonstration. Ouais, ça fait un bouclier. Et en gros... Ça, utilisé sur des bataillons ennemis. Ces misérables grecs. Ah ben merde. Les esclaves de Buto. Buto, c'est où? Attends, c'est à l'autre bout, ça. Oh là là, que toujours plus loin. C'est quoi qui nous attaque? C'est ici. C'est ici, c'est ici. Ah ouais, par... Oh! Wow, wow, wow! Ça fait mal. Ah, vous voyez, par contre, là, c'est des boulets en feu. Ah ouais, ça fait mal. Ça fait mal, ouais. J'ai peut-être fait une connerie, en fait. Ouais, heureusement, elles ont deux tensions, les catapultes, j'ai l'impression. Allez-y, là. Les archers, je sais pas, ils sont là, ils regardent. Ouh, allez, ils mettent 50 ans. Ah, ok, c'est bon. On s'attaque à celle-là maintenant. Ou à celle-là, oui, ça peut être une possibilité. Ah, ils font quand même mal, les archers, hein. Oh, ah oui, les archers font beaucoup, beaucoup de dégâts aux catapultes. Et ils ont gagné un level grâce à ça, justement. C'est ce qui est impressionnant. Je savais pas que ça faisait autant. C'est bon signe. Bon, au moins, ça leur, ouais, ça leur coupera un petit peu leurs moyens, ça. Allez. Voilà, et on fait la dernière catapulte. Allons-y. Allez. Pas de pitié. Allez, c'est parti. Là, ça va la forcer à se bouger. Ok, ici, ils sont positionnés. Est-ce qu'ils sont... Ils sont sur les murs, les archers? Non. Ils ont même pas fermé les portes. Ils sont sereins. On va essayer d'aller les déglinguer, eux, c'est quoi. Ok, c'est des fantassins. Rien de plus basique. Alors, est-ce que... Je vais retrouver des mecs de 21 ans... Non. Toi, tu m'as l'air parfait. Voyons voir, tu as quel âge? Ah là là, décidément.
Voilà, allez, dis-moi tout. 24. Attendez, on va tester, on va tester. Peut-être. Peut-être que ça va marcher. Adorable. Oh oui, regardez-le. Il est mignon. Non, ça va pas marcher. Ah. Peut-être un peu trop vieux pour notre rituel en fait. Mais oh, t'abuses. C'est parce que vous perdez. Mais il a que 3 ans de plus. Bon ben désolé mec. Tu as bien servi. Ah mais je peux pas te faire là. Tu as bien servi les intérêts communs. Oh. Toi Michel, tu as la barbe. Tu as peut-être 50 ans. 24 ans toi aussi. Putain mais vous avez tous 24 ans. Wow. Bah ici on devrait trouver notre bonheur. Alors, dis-moi quel âge tu as. 36 ans. Bah t'es beaucoup trop vieux toi. T'es une senior déjà. Alors. Oh. Oh on s'est fait. Ah bah ils ont tout sorti. Bah c'est bon alors. Ah non. Eux ils sont pas venus. D'accord. Allô. Mais ça c'est bien, ça c'est bien parce qu'ils ont vidé, mais ils ont perdu beaucoup comparé à moi. Quoique ils sont quand même pas mal, hein. On va essayer de démonter tout ça. On va essayer de faire ça bien. Bon, je vais déjà préparer une nouvelle armée. Ouais, on va faire ça parce que faut prévoir. Et la vache qui se prélasse dans les champs. Alors. Voilà, ça c'est bien. Archer, on perd pas de temps. Hein. Faut recruter parce que sinon. Voilà. Ça fera l'affaire. Bon, alors, y'a pas un clampin de 21 ans là Toi, tu m'as l'air parfait. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire des missions dans le jeu? Oh là là. 31 ans, tu m'intéresses pas, sacrifice. Voilà, ce qu'on va faire, c'est ça. Des malchanceux, bah, qui vont tout simplement mourir pour le dieu. Voyons voir, tu as quel âge? 36 ans, tu es trop vieux. C'est diabolique. Alors, faut pas que je tue trop d'hommes non plus, hein. Faut que je change à mon armée. Voyons voir quel âge tu as. On va essayer de prendre des femmes. Alors, je sais pas si les femmes... ça compte ou pas? Oh et puis merde hein, je ferai ça une autre fois là, ça devient casse-couille. On va ramener la créature là-bas. Bon, bah y'a qu'un mot à dire, ils se sont fait rape. Deux plutôt. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Oh bah voilà. Il y a deux mineuses qui sont ici, je ne sais absolument pour quelle raison elles sont ici. Mais bref, elles ont fait un long chemin pour aller miner apparemment. Mais sauf que je ne vois pas où est la mine à part là. Ouh, putain, j'avais pas vu. Effectivement, c'est plutôt alléchant. Donc c'est bon, ils ont plus rien. Notre prochain assaut sera le bon, surtout qu'on sera avec la créature. Tac, on va mettre ça. Je viens de remarquer que j'ai pas mis... de prison très utile dans une ville qui fait le mal. Faut pas l'oublier bien évidemment. Par contre voilà la prison. On va enfermer tous les gens de ces criminels. On va le faire à côté du moulin. On va les aider à la construire. Alors elle coûte combien? Bois nécessaire. Alors le bois normalement j'ai la masse de... Bah voilà c'est bon ça. Au moins voilà une ressource. Voilà en abondance. Ça fait plaisir. Par contre, le minerai, je vois, c'est pas trop la joie, mais parce qu'à mon avis, ils doivent s'en servir beaucoup. La mine, elle est derrière, elle est cachée, là, mais il reste quand même des... Ça va augmenter notre... Voilà, c'est bien, on va pouvoir réparer les remparts. Ah oui, quand même, ils étaient bien endommagés. Aussi, la créature qui balance des boules de feu, on ne sait pour quelle raison. Ah, ben voilà, c'est bon. Hop. Ah, putain, je suis fan de la technique, mais non, c'est... Oh, qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Ah ben Meul y est allé. Ah ben oui, je lui ai donné l'ordre d'y aller. Ah c'est bien Meul. C'est bien Meul, mais barre-toi maintenant.
Barre-toi, parce que là, t'as fait un peu la fifole. Bah, attends, barre-toi par là, puisque c'est mieux, ouais. Allez, cours. Montre-nous ce que c'est de courir. Oh, c'est cinématographique, ce plan. Comment ils courent? Oh, ils sont dopés, eux, c'est pas possible, là. C'est quoi, c'est de l'EPO, ça? Non. Ouais, c'est un truc de fou. Et lui, il est déterminé, lui, hein. Je l'aurai. Ah, le mec il court plus vite, ses jambes, c'est... Il contrôle même plus ses jambes, le pauvre. D'ailleurs, il est complètement hystérique parce que il... Oh bah oui, maintenant il... Bon, alors ça c'est la meilleure. Maintenant il patine sur le sable. Ah, elle a décidé de passer au niveau supérieur. Allez, me, sers-toi de ton arbre. Oui, c'était joli. C'est ça dans l'idée. Elle se soigne. Ah non, c'est du feu. Ah, ça c'est bien joué. C'est bien joué. Elle se soigne en même temps. Hein. C'est bon, elle a acquis des techniques. Là, je sens qu'elle est, elle est mieux là, me. Hein. Elle s'en sort mieux dans les combats. Surtout contre les... Allez. Non. Pas d'arbre. Allez, tu fais tout péter là. Voilà, c'est ça. Oh oui, le coup de mamelle. Oh, et le finish avec le dos. Oh là là, c'est tellement épique. Et eux, pendant ce temps qu'ils sont en train de migrer, ils marchent à deux à l'heure, tranquille. Oh là là. C'est tellement magnifique. Et me qui a fait tout le boulot. Magnifique. On va pouvoir pénétrer dans la cité sans aucun jeu de mots. Gentiment. Salut les bitches, on s'incruste. Ouais, par contre, ils sont un petit peu lents, eux. Alors, est-ce qu'on va trouver quelqu'un de 21 ans ici? Putain, ça s'est vidé, hein. J'ai fait deux armées, il y a plus personne dans cette ville. Toi, tu m'as l'air parfait. Alors, vas-y. Dis-nous tous tes secrets. Ah, 18 ans. Au pire, je le garde dans la main. Attendez. On va le poser là et on va aller le récupérer. Parce que je veux le garder dans la main. Dans la main, oui. Capturer, voilà, comme ça c'est fait. Je vais le garder dans la main jusqu'à ce qu'il grandisse. Regardez-moi cette main avec les ongles, oh c'est beau. Ça c'est joli. En plus on voit que je suis très maigre parce qu'on aperçoit bien la forme de mes phalanges. Qui sont juste dégueulasses. Alors... Voyons voir, est-ce que t'as pris un an toi depuis que je t'ai lâché? Non, t'as toujours pas pris un an. Ça va être la... Franchement, cette mission c'est la merde quoi. En plus, t'as la population que j'ai quoi. Comment voulez-vous? C'est pas possible, c'est impossible. On le peut pas. Oh, magnifique accouchement. Oui, voilà. Oui, les enfants, c'est comme ça qu'on... Qu'on fait les bébés. Oui. Il y a pas de trucage, tout est vrai. Oh, toi, tu m'as l'air... Ah, c'est une femme, ça? D'accord, on va dire que c'est une femme. Elle a un visage un tout petit peu spécial. Est-ce que t'as pris un an depuis le début? Non. La foi est tombée sous le contrôle des exilés. 19. Ah, il a pris. Il a pris une pige. Il a pris une pige. C'est parfait ça. C'est parfait. Bah voilà, on a la muraille. La muraille, qu'est-ce que je raconte moi? On a la... Putain, je sais plus. La merveille. Et on a toutes les richesses qui vont avec. Oh, youpi. On peut nager dans le minerai. Ça va nous enrichir. D'ailleurs, je crois qu'ils ont là... Bah, ils ont que dalle en fait. Ils ont pas de bouffe. Faut dire qu'en même temps... Mais ils ont même pas de champ. T'es sérieux, ils ont que ça comme champ? Ouais, non, mais c'est nul. Bah, écoutez. Hein, voilà. Famine, désolé les mecs. Ici, on en a plus besoin. D'ailleurs, je pense que... Ouais, bah, il nous reste plus que la ville principale. Petite information, vu qu'on approche des vacances, je comptais... Alors, c'est qu'une idée, hein. C'est absolument pas sûr, hein. N'ayez pas trop d'espoir, on ne sait jamais. Mais je compte faire un live... Pendant les vacances pour tester, pour voir ce que ça donne, pour voir si c'est sympa.
Et j'aimerais bien faire la dernière carte, enfin le dernier royaume, la dernière île en live de Black and White pour finir la première saison, on va dire, du jeu. Ben en live quoi, ce serait sympa. Alors dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie, si ça vous plaît. Histoire que je sache, vous voyez, s'il y a des gens qui vont regarder quand même, que je fasse pas ça pour deux personnes quoi, ce serait un petit peu bête quoi. Dites-moi, tu vois, qu'il y a un minimum de personnes qui regardent comme ça pour que ce soit vraiment... que je puisse vraiment faire un live qui soit entre guillemets regardé quoi, que voilà, qu'on soit pas deux, voilà, comme je disais juste avant. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. En tout cas, moi c'est un projet qui me tient à cœur et j'ai bien envie qu'il se réalise. Mais dis donc, qu'est-ce que t'as l'air bizarre. Mais t'as juste le swag, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Il vous faut de la nourriture. Bon, bah déjà ce qu'on va faire c'est que déjà, on va piller le minerai. Ça, c'est fait. Et regardez-moi ce jour, cette luminosité, cette mer. Ça vous ne fait pas envie, non? Regardez-moi cette eau bleue, lagon. C'est beau, c'est beau. Il y a du screen à faire, là. Il y a du screen. C'est beau. C'est beau. C'est très, 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 très beau pour un jeu 2006. Donc, on va faire un petit transfert de population. Mouvement démographique. Oui, oui, oui. Vous apprendrez ça plus tard. Ce qui est très simple à comprendre en plus. Voilà, bref. Mouvement migratoire et tout le bordel. Adorateur. Parce que j'aimerais bien quand même disciple utiliser une merveille avant de disciple finir, quoi. Ce serait sympa. Adorateur. Au pire, ce que je pense faire, c'est que si jamais on n'y arrive pas d'ici le prochain épisode ou dans deux épisodes, je laisserai le jeu tourner jusqu'à ce que le miracle soit chargé au max quoi, sinon ça va mettre 30 ans. Alors disciple reproducteur, voilà, on va faire du reproducteur parce que il faut encourager les naissances. Ah, si on veut que la population augmente, il y a pas d'autre choix là, hein. Pas d'autre solution les gars, va falloir y aller quoi, hein. bref, vous avez disciple compris ce que je veux dire. Donc, t'es là, tu fais ce que tu veux, hein. Amuse-toi bien. Ici, je vois que j'ai pas trop construit finalement là. En fait, j'ai laissé un peu la ville comme ça se développer. Enfin, même pas se développer, puisque, ouais, à part les immeubles, il y a que ça quoi qui se développe. On va reconstruire des taudis. Voyez. Bon, alors les taudis, il y a que ça maintenant. C'est vrai que maintenant j'ai privilégié les taudis là. Taudis. Qu'est-ce qu'on... Ah oui, ça c'est une bonne idée ça. Remettre un entrepôt. Ce qui pourrait paraître un peu bête, mais finalement, vu qu'à chaque fois on manque de bouffe, mais là vous voyez, il est plein et ça évite qu'on perde des ressources. Alors par contre, faut trouver une zone. Bah, on va le faire là, écoute. Voilà, c'est parfait là. Bah, c'est nickel. Bah, on va même le construire, tiens, parce qu'on est gentil. Enfin, non, on n'est pas gentil, mais bon, voilà, c'est histoire de dire. Tac, on va leur replanter les arbres parce que j'ai vu qu'ils les avaient plantés, c'est pas gentil. Quoique. Wow, j'avais pile assez. Ah, bah c'est parfait, ça nous a. Bah voilà, c'est nickel, ça nous a agrandi comme il faut notre zone d'influence. On va pouvoir mettre un corps de garde, je dis. Alors. Bah, le problème c'est que. Bah, on va pas pouvoir finalement. On va essayer de construire une muraille ici. Rempart. Bon, par contre, on va pas mettre fortifié. Voilà, ici, c'est parfait. Voilà, c'est parfait, nickel. Ici, on va pouvoir mettre un joli corps de garde. Une belle entrée. Bah tiens, on va le faire maintenant. Tant qu'on y est. Hop là, voilà, nickel. On prend le minerai qu'il faut. Tac, on construit. Et on va pouvoir enfin être enfermé. Être protégé. Ça, c'est le bon mot, protégé. Bon, de toute façon, c'est même pas le bon mot, puisque protégé de quoi, voyons. Voyons, on est les plus puissants sur ce monde. Voilà, quoi, j'ai envie de dire. On va laisser ouvert, d'ailleurs, preuve de notre insouciance. On s'en bat les steaks. Alors, est-ce qu'on nous attaque là-bas? Je pense que cette mission la fera... Bah non, écoute, on va la commencer maintenant, allez. Nous trouverons peut-être quelque chose. Oh, je viens d'oublier un truc. Avoir un rapport avec le temps, peut-être avec le soleil.
Ah ah. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Dès qu'on met la souris, après minuit, mais avant 2h. 1h, ok, d'accord, c'est des mini-énigmes, mais en gros, on va devoir les allumer dans l'ordre. Après 13h, mais avant 15h. 14h. Alors 15h. Je comprends pas, il y a trop de traits là, c'est pas normal. Mais alors attendez, c'est quoi 13h pour eux? Alors si j'ai bien compris. On va tester. Voilà. Après 19h mais avant 21h. Après 6h mais avant. Oh, ok, 7h. Mais alors 6h c'est où? Alors je suppose que c'est là, hein. Voilà, nickel. Ah là, d'accord, faut les faire dans l'ordre. Donc ça va être ça, 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 ça. Ok. On refait. Voilà ça. Vous voyez, en plus c'est des flammes de plusieurs couleurs. Alors attendez. Ah. Non. J'ai fait une bourde. Après 19h. Alors 19h. 19h. On va faire là alors. Ah bah je me suis chié. Bravo. Alors est-ce que là ça va marcher? Voilà, ça, ça marche. 14h. Ça a marché. 14h, hein, 15h, 16h, 17h, 18h. On va essayer là. Le temps des loisirs, 19h. D'accord, ok. Et là, après minuit, mais avant 2h. Ok. Ah, je me suis gouré d'heure, peut-être. Vous avez réussi. Oui, magnifique. C'est beau. Magnifique. C'est beau, des petites flammes jaunes, vertes, rouges et bleues. Superbe. Bon voilà, mission sympa qui nous permet d'utiliser l'outil de bah, de changement de temps, quoi. Voilà, c'est sympa, c'est... Bon, c'est marrant, quoi. Ça nous a fait gagner 50 000 points d'offrande. Moi, je crache pas dessus. Est-ce qu'on va trouver un mec de 21 ans dans cette foutue cité de merde? Pitié. Oh, il est trop vieux, il est sans emploi le mec, il a pas honte. Il y a pas de chômage dans ma ville, voyons. Je crois que j'ai vidé un peu la ville d'hommes là, c'est... Putain, mais c'est incroyable, y'a plus de mec. Ah bah voilà. Alors toi, dis-moi quel âge t'as. Putain, mais pour trouver un type de 21 ans s'il vous plaît, quoi. Oh, il a 23 ans. Attendez, peut-être que ça va marcher. Oh, il est... Ok, ça n'a pas marché. Oh, j'en ai marre. Peut-être un peu trop vieux pour notre rituel en fait. Putain, il faut vraiment il faut 21 piles, hein, sérieux. Non, non, mais ils nous lâcheront pas, c'est 21 piles et pas un plus ou un de moins. 21 ans, putain, mais alors soit ils ont 18, soit ils ont 20 ans, quoi. Soit ils ont 23, 24. Toi, je suis sûr que t'as le bon âge. Pitié. Putain, t'as 24 ans. Utilise ce bâtiment, ok, je t'ai mis dans un nouveau foyer. Bravo, fais connaissance. 25 ans, putain, mais c'est n'importe quoi. Bravo, tu... Ah, t'as failli devenir adorateur, là j'ai mal cliqué, mais bon, t'aurais pu devenir adorateur. Toi, t'as quel âge? Putain... Bon alors, s'ils avaient une solution, comment trouver un type de 21 ans, on sait jamais, il y a peut-être une astuce, hein. Parce que là, j'en chie, hein, pour tout vous dire. J'en chie grave, même. Toi, tu m'as l'air... T'as l'air d'avoir mal au bide. Et j'ai pris le mauvais, bah ça, ça tombe bien. Oh, il a 20 ans. Oh. Oh, il a 20 ans. Alors lui, on le lâche pas. On ne le lâche pas, les amis. Tant que t'auras pas 21 ans, tu ne rentreras pas.
Cet épisode va durer 2 minutes de plus tant que tu n'auras pas 21 ans, voire 5 minutes. Je veux réussir cette mission avant de finir l'épisode. Alors s'il te plaît... Oh, c'est trop bien les coulées de lave. Ah, que je ne te perde pas de vue, mécréant. Par contre, j'espère que ça va être assez rapide, oui. Éventuellement. Alors voilà, est-ce que tu as augmenté? Allez, dis-moi que oui. Il a 20 ans, il a 20 ans, il a 20 ans. Attention les amis. Suspense. Ah, les migrants sont enfin arrivés de leur tumultueux voyage. Bravo. 500 de minerais et 7 de population. On admire le geste. Bravo, bravo. Oula, il y a des bruits bizarres. Alors que je te perde pas de vue, hein. Ah, que je te perde pas de vue, parce que là, il y a une grosse somme à la clé. Alors, s'il te plaît, ne me fais pas perdre mon temps. Ah, peut-être. Alors, on va faire des essais assez répétés pour voir s'il a grandi. Ah, 20 ans. Peut-être que si on change le temps... Allez, c'est l'heure de se lever, les mecs. Ah là là. Toujours plus de suspense. On va faire juste un petit tour là avant. La pyramide, elle est pas construite. Temple. Est-ce que le... Oh, bah ça va. Le miracle, il se recharge assez vite, j'ai l'impression. Alors lui... Merde. Il est où? Il est là, hein. Il est là. Oh, il a 21 ans. Oh, magnifique. Allez les gens, finis cette putain de mission. Et si c'est une femme, je vous jure, je vous bute. Je vous bute tous. Enfin, les filles, hein, je parle bien sûr. Oh oui, j'ai réussi. Oh le pauvre. Oh les boucles d'oreilles. Eh oh, ça va pas non? Vous ne pouvez pas me laisser là? Mais, laissez-moi, ne me touchez pas! Je ne crois pas que ce soit fait pour rentrer par là. Ça va rentrer. On pousse plus fort. Oh putain. Oh ça devient bizarre là. Ok, ils l'ont noyé. Ah, il a le pied qui bouge, c'est normal ça ou pas? D'accord. Alors 50 000. Ouais, parce que j'ai bien aimé le ça va rentrer, pousse plus fort hein. Alors pour ceux qui ont compris, voilà quoi. Je suis pas d'accord là, ça devrait être censuré ça, des phrases comme ça à connotation un petit peu, tu vois, genre olé olé. Non mais voilà quoi. Bon bref, on a déjà dépassé le temps réglementaire. Non, je déconne, absolument pas de temps réglementaire, on s'en fout. Mais bon bref, on va se quitter là. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. J'en ai chié pour trouver un clampin de 21 ans, mais j'ai réussi. J'ai réussi en tout cas, merci de m'avoir donné l'information. Et réfléchissez à ma proposition de live. Donc si vous seriez intéressé pour regarder, donc pendant les vacances, je pense que ce serait peut-être un week-end pour arranger le plus de monde possible. Et alors comme vous voulez, soit le soir, soit l'après-midi, enfin vous me dites. Et donc je pensais faire la dernière île de Black and White, mais vous pouvez faire vos propositions sur les jeux que vous voulez, peut-être. Par contre ce ne sera pas super long, hein, je précise. Hein. Je veux dire le live, hein. Ne vous attendez pas à je sais pas combien d'heures, mais pas trop, hein. Je préviens tout de suite. Si je le fais, hein, parce que ça se trouve, enfin bref, c'est il y a de fortes chances, c'est très probable. Donc voilà, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut à tous.